Vendée-Cola vous propose de plonger au cœur du Grand Ouest avec des idées pour l'été. Bienvenue dans Des idées pour l'été. Vous connaissez désormais le principe. Tout au long de l'été, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des sites touristiques vendéens. Au programme de cette semaine, nous irons au prieuré de Gramont. Nous poursuivrons la visite au musée de Fontenay-le-Comte. Nous irons ensuite voir un château qui possède une voûte cavalière, le château d'Apremont. Et nous terminerons la semaine à la maison et au jardin de Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. Mais je vous propose tout de suite de débuter la visite ici au Marais Salant de la Vie à Saint-Hilaire-de-Riez. Antoine Pirot, bonjour, merci de nous accueillir ici. Vous êtes le responsable des Marais Salants de la Vie. Quand on dit Marais Salants, on pense plus facilement à Noirmoutier et pas forcément à Saint-Hilaire-de-Riez. Et pourtant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Marais Salants sur la façade atlantique, que ce soit à Beauvoir ou à l'île d'Olonne, voire à l'île de Ré, bien sûr. Mais à Saint-Hilaire-de-Riez, donc, nous sommes deux. Un marais communal, donc la saline du Recoing, et un marais indépendant avec Anthony Auger, donc, pour le Marais de l'Étoile. Mais notre spécialité ici au Marais Salant de la Vie, donc, c'est de présenter les gestes, puisque même avec les enfants, nous faisons participer. Donc je vous invite à venir participer à ces gestes de récolte du sel et peut-être de préparation même. Très bien, mais je vous suis. Allons-y. Alors Grégoire, donc, je vous présente Yves, qui a fini la récolte d'un œillet. Et donc pour l'assister, je vous propose cet outil qu'on appelle un cerf-volet, qui va vous servir à tirer le sel sur le chemin. Très bien, je le prends. Et donc pour des idées pour l'été, aujourd'hui, je deviens saunier. Alors là, on est sur du gros sel. Ah, c'est du gros sel, bien sûr, oui. À pas confondre avec la fleur de sel. Non, la fleur de sel, c'est celle qui va se former en surface d'eau. C'est la première formation du sel. Alors, généralement, on coule au fond de l'eau, ce qui en fera le gros sel au fond de l'eau. Alors Yves, j'ai une dernière question. Est-ce que quand un saunier chante, ça devient un chansonnier? Oh, je sais pas. C'est l'air du temps, peut-être. Peut-être, allons-y. Alors voilà l'or blanc qu'on a ramassé. Voilà, de jolis cristaux. Toute l'histoire du sel est là. Donc s'initier à la récolte du sel, tout ça dans un environnement remarquable, rendez-vous ici à Saint-Hilaire-de-Riez. Oui, tout l'été jusqu'à fin septembre, des visites guidées tous les jours pour la présentation du Marais Salant, mais aussi des balades comptées dans le Marais, des sorties nature avec la LPO, et enfin des balades en calèche avec la Flèche de la Vie. Voilà, beaucoup d'animations organisées ici au Marais Salant de la Vie. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Et nous, on va goûter la récolte du sel. Exactement, un petit peu de fleur de sel du pays. Très bonne qualité. Il est très bon, c'est sûr, il est très bon. Des idées pour l'été vous a été présenté par Vendée Cola, le cola du Grand Ouest.